virus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable. Dès l'apparition de signes, même légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nid qui coule ou la perte du goût et de l'odorat, contactez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé. En attendant les résultats du test, restez chez vous et évitez tout contact, surtout avec les personnes fragiles. Ensemble, bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé publique France. Thank you De la vérité, frères et sœurs, amis internautes, bonsoir. C'est une immense joie que la mienne de partager avec vous à nouveau la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aux techniciens et aux membres de cette église, l'église de la Brousse, que Dieu vous bénisse encore. Une information relayée par les réseaux sociaux, famille, amis et alliés, vient de tomber. Pas très réjouissante comme nouvelle. Des sanglots se font entendre de part et d'autre. La tristesse envahit la ville. Personne ne s'attendait à cela. Avant d'aller plus loin, prions. Éternel notre Dieu, en ce soir, nous te demandons, Seigneur, ton Saint-Esprit, afin de pouvoir comprendre et mettre en pratique ta parole, afin Seigneur que nous soyons de puissants témoins pour toi, que Seigneur tu puisses parler à nos cœurs, et que Seigneur nous puissions mettre tout en œuvre pour avoir ton approbation. Que ta grâce et ta paix repose sur nous, que ton onction repose sur nous, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Le titre du message. Une connexion à haut débit. Une connexion à haut débit. Je vous invite à considérer pour, avec moi le passage de Acte. Acte 9. Acte 9. Et les versets 36 à 37. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie d'Orcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Lors des cérémonies de deuil au Proche-Orient, les veuves qui pleuraient ou pleureuses avaient l'habitude de chanter les mérites du disparu et l'immensité de la perte. Et souvent, elle prononçait un mot, Eika. Eika qui veut dire comment. Comment traduit la douleur, l'immensité de la perte. Comment Tabitha, toi qui étais si dévouée, si généreuse, si douce, comment est-ce arrivé David, le roi David, un guerrier, Paradoxalement aussi, un homme sensible s'exprime en ces termes. Nous sommes dans 2 Samuel. 2 Samuel 1er, le verset 19. 2 Samuel 1er et le verset 19. C'est le roi David qui parle ici. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Versets 25 à 27. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable. Au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés Comment leurs armes se sont-elles perdues Donc David, valoré au combat, a ressenti la douleur de perdre des êtres chers. Et nous aussi, nous avons connu des personnes que nous aimions et qui sont parties. Et sûrement, il nous est arrivé de dire comment Comment traduit la stupeur et l'affliction Revenons dans Acte. Nous sommes dans acte 9. Acte 9. Alors, Tabitha est connue dans toute la ville. Mais au fait, qui est Tabitha Nous sommes au verset 36. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie d'Orcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Donc, voilà ce qu'on sait de Tabitha. Elle s'appelle Dorcas. Elle est parmi les disciples. Elle est donc disciple de Jésus-Christ. Et le texte précise qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. D'autres versions de la Bible diront qu'elle était remplie de bonnes œuvres. Elle était pleine de bonnes œuvres. Alors, la question que nous nous posons ce soir. Comment Tabitha faisait pour être rempli de bonnes œuvres Comment elle faisait pour faire des aumônes Mesdames et messieurs, frères et sœurs, il y a trois niveaux sur lesquels les gens peuvent vivre. Il y a l'insuffisance, la suffisance et l'abondance. L'insuffisance je suis chez moi, je regarde dans les placards, il n'y a pas grand-chose à manger. J'ai besoin de 20 euros pour faire mes achats. Je me rends au supermarché, j'ouvre mon porte-monnaie, je constate qu'il y a 15 euros. Je suis dans l'insuffisance. Autre situation, j'ai besoin de 20 euros pour faire mes achats. Je me rends au supermarché, j'ouvre mon porte-monnaie, je trouve qu'il y a 20 euros. Je suis dans la suffisance. Dernière situation. J'ai besoin de 20 euros pour faire mes achats. Je me rends au supermarché, j'ouvre mon porte-monnaie, mon porte je constate qu'il y a 30 euros. Je suis dans l'abondance. En présentant les trois niveaux sur lesquels les gens peuvent vivre, le focus est fait sur l'aspect financier, les euros. Cependant, l'abondance ne dépend pas nécessairement de l'argent. Ni des possessions matérielles. L'abondance signifie que Dieu me donne ce dont j'ai besoin, avec en plus de quoi aider les autres. Dieu me donne ce dont j'ai besoin, non pas ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin, avec de plus de quoi donner aux autres. Et Tabitha, elle est dans cette abondance. Beaucoup de bonnes œuvres, beaucoup de d'aumônes. Mais l'exemple suprême même de cette abondance, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'avait pas de résidence fixe, aucune possession matérielle, pas de grosse somme d'argent, et pourtant, ni lui, ni ses disciples n'ont manqué de rien. Ni lui, ni ses disciples. Et quand Pierre a eu besoin d'argent pour payer ses impôts, il aurait pu l'orienter vers Judas en lui disant Va, va voir Judas, puisque c'est Judas qui tenait la bourse. Mais il a préféré l'envoyer vers la mer de Galilée pour récupérer l'argent dans la bouche d'un poisson. Comme pour dire, je suis le maître. Le ciel et la terre m'appartiennent. Alors, face à cet argument, euh, certains diront, ah oui, mais c'est Jésus. C'est Jésus. Eh bien voilà, Jean 14, le verset 12. Jean. Au verset 14 et le verset 12, il est dit En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Tabitha a cru à cette promesse elle a placé sa foi dans cette promesse. Et c'est la raison pour laquelle elle a pu accomplir beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes à la gloire de Jésus-Christ. Malheureusement, frères et sœurs, mesdames et messieurs, Tabitha est tombée malade. Tabitha est tombée malade. Nous sommes dans Acte, acte 9 et le verset 37. Acte 9 et le verset 37. On parle de Tabitha ici. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute. Mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, dans la prophétie biblique, une femme est représentée par l'Église. Vous vérifiez dans Ephésiens 5 et Apocalypse 12. Tabitha est tombée malade, elle est morte. De même, l'Église est tombée malade, elle est morte. Elle n'est pas morte à ses péchés, pas morte à son infidélité, pas morte à son égoïsme, pas morte à son hypocrisie, mais morte dans sa phase d'évangélisation, morte dans sa phase de témoignage. Tabitha n'est pas décédée brutalement. Elle est tombée malade. L'Église n'est pas décédée subitement. Elle est tombée malade. Et si cette interprétation vous paraît farfelue, venez avec moi, nous allons découvrir ensemble où le diagnostic de la maladie de l'Église a été posé. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse 2, verset 1 à 4. Apocalypse 2, 1 à 4. Nous allons découvrir ensemble où le diagnostic de la maladie de l'Église a été posé. Nous y sommes Apocalypse 2, 1 à 4. Écrit, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, c'est bien. Que tu as souffert à cause de mon nom, c'est très bien. Et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ici, Jésus-Christ s'adresse à l'église d'Éphèse, l'église primitive, une église qui n'est pas assez balbutiement. C'est une église active, comme Tabitha l'était. Mais quelque temps après, Tabitha est tombée malade. L'église d'Éphèse est tombée malade. Sa maladie est définie en ces termes tu as abandonné ton premier amour. Frères et sœurs, l'abandon du premier amour est une maladie grave. Savez-vous qu'il y a des personnes qui sont malades, où la confirmation a été donnée qu'elles sont malades, mais elles ne veulent pas l'admettre. Elles sont dans le déni. Ce n'est pas notre cas en ce soir. Nous voulons que Dieu nous éclaire. Et Psaume 118, verset 27 dit, L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. L'Éternel veut nous éclairer comme il a éclairé son serviteur Esaïe à son époque. Nous sommes maintenant dans Isaïe 59 et le verset 10. Ésaïe 59 et le verset 10. Voilà ce qu'il a dit. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance. Nous ressemblons à des morts. Frères et sœurs, nous avons déjà défini ce qu'est l'abondance. Voilà la situation du peuple d'Israël au temps des Haïts. Ils tâtonnent, ils chancèlent, ils ressemblent à des morts. Tellement que le peuple est dans l'abondance, remarquez ce qu'il est, qu est dit dans. Deutéronome 32 et le verset 15. Deutéronome 32. Deutéronome 32. L'image est frappante. Deutéronome 32, verset 15. Le peuple d'Israël est dans l'abondance. Israël est devenu gras et l'a rejambé. Tu es devenu gras, épais et... Replay. Et il a abandonné son premier amour. Enfin, il a dit il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Donc, le peuple d'Israël, au temps d'Ésaïe, est dans l'abondance. Mais la question que je me pose dans Ésaïe 59 et le verset 10, quand il a dit au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je me pose la question, comment un peuple, le peuple de Dieu, Israël, fait se retrouver, fait pour se retrouver, au milieu de l'abondance, donc ça veut dire qu'on a, sans aucun signe de vie, au milieu de l'abondance, il se retrouve sans bouger. Pour répondre à cette question, il nous faut considérer le nouvel Israël, c'est-à-dire l'Église d'aujourd'hui, vous et moi. Sommes-nous dans l'abondance Oui, nous sommes dans l'abondance. Nous sommes dans l'abondance en matière d'évangélisation. Le Seigneur Dieu a doté son Église, l'Église adventiste, d'un message puissant, celui qui consiste au message des trois anges dans Apocalypse 14. Ce message est do, do, donné à l'église adventiste. D'autres congrégations n'ont pas ce message. Non pas parce que ce n'est pas marqué dans leur Bible, mais c'est qu'ils n'ont pas donné toute la valeur. Donc le Seigneur a suscité l'église pour donner ce message. Un message puissant pour extraire des hommes et des femmes des ténèbres pour les faire parvenir à son admirable lumière, la lumière de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'abondance en matière d'évangélisation. Regardez le florilège d'ouvrages que nous avons. Adventist World, Revue Adventiste, Adventist Magazine, Signe des Temps, Priorité. Nous sommes dans l'abondance. Nous sommes dans l'abondance au niveau de la santé. Le Seigneur a donné à Ellen White des messages clairs et précis sur la santé de l'Église pour que nous puissions avoir une bonne santé physique, mentale et spirituelle. Nous sommes dans l'abondance. Peut-être nous avons négligé ces conseils, mais Hélène White, dans ses livres, nous a donné tout pour être en santé. Nous sommes dans l'abondance concernant l'éducation. L'Église adventiste a le meilleur système éducatif au monde. Frères et sœurs, ce n'est pas une prétention de le dire. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une prétention. L'Église adventiste a le meilleur système éducatif. Vous pouvez le vérifier. Donc, nous sommes dans l'abondance. Est-ce pour autant que l'Église vit Est-ce pour autant que l'Église vit Enfin, il y a tout de même de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que... Esaïe dit au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Il n'a pas dit au milieu de l'abondance nous sommes morts, mais il a dit nous ressemblons. Donc si on ressemble, c'est qu'il y a encore un espoir. C'est pour cela que avant la mort du peuple d'Israël, il y a des signes. Il y a des signes visibles. Et voilà quels sont les signes. Nous l'avons lu. Nous tâtonnons comme des aveugles. Le peuple, il tâtonne. Nous chancelons à midi. Il chancelle. Voilà, ce sont les signes visibles de la maladie. Et nous, l'Église aujourd'hui, est-ce que nous avons des signes visibles de la maladie Quand des membres d'Église, des nouveaux membres, ne viennent plus à l'Église, est-ce signe d'une bonne santé spirituelle ou d'une maladie quand des anciens membres d'église, mal affermis, désabusés, quittent l'église pour se retrouver dans des groupes, bâton de berger, Davidien, grand cri, est-ce signe d'une bonne santé spirituelle ou d'une maladie? Quand certains anciens de l'église ne croient pas ou ne croient plus à l'onction d'huile pour les malades, est-ce signe d'une bonne santé spirituelle ou d'une maladie? Quand des églises adventistes, je ne parle pas de, des églises qui se trouvent à des milliers de kilomètres, ici, ferment leurs portes le dimanche en période de vacances, juillet et août, est-ce signe d'une bonne santé spirituelle ou d'une maladie? Je ne dis pas cela pour les autres églises qui ferment en ayant des groupes de maisons ailleurs. Je parle de celles qui ferment le dimanche pour privilégier un jour avec la famille. Et soeurs, en disant cela, je ne veux pas jeter la pierre tout bonnement, mais je veux nous faire toucher du doigt notre maladie. Nous disons que Jésus-Christ revient, mais nous fermons les portes de l'église. Bien sûr, je ne parle pas en cette période de Covid-19, mais avant ça, c'était des jeunes pratiques pour certaines églises de la Guadeloupe. Jésus-Christ revient, nous le chantons, nous le disons, mais en réalité, Rien. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Vous voyez, ce qui arrive à l'Église, c'est ce qui est arrivé au temps d'Esaïe, le prophète, l'homme de Dieu. Et c'est ce aussi qui est arrivé dans l'histoire avec les Éphésiens. Et c'est pour ça que Paul... Les exhortes, comme il aurait pu, s'il était là, nous exhorter en ce sens. Nous sommes dans Ephésiens 5 et le verset 14. Ephésiens 5 et le verset 14. Paul parle aux Éphésiens, à l'Église, et voilà ce qu'il leur dit. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Aux dirigeants de l'œuvre adventiste en Guadeloupe, non pas à des milliers de kilomètres. Cher pasteur, il vous faut élever le niveau de vie spirituelle de l'Église. L'Église est une entité spirituelle et doit être dirigée par des hommes spirituels. Chers anciens, il vous faut élever le niveau de vie spirituelle de l'Église. Chers membres de, dé, de département, chefs de département, membres d'Église, il vous faut élever votre niveau de vie spirituelle. Le niveau est trop bas, trop bas, trop bas. Résultat, c'est la mort. L'évangélisation est inexistante en Guadeloupe. Alors, comment faire Comment faire pour se réveiller, nous qui dormons. Comment se relever d'entre les morts? Nous revenons dans Acte. Acte 9. Acte 9, notre, notre texte d'étude en ce soir, Acte 9. Et les versets 37 à 39. Nous répondons à la question, mesdames et messieurs, frères et sœurs, ce soir, comment se relever d'entre les morts Comment se réveiller Acte, 7, acte 9 pardon, et versets 37 et 39. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. On parle de Tabitha. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Ce n'est pas une coïncidence fortuite si la chambre haute est mentionnée à deux reprises dans le texte. La chambre haute, c'est le lieu de communion intime. Avec Dieu. C'est le lieu où tu parles à Dieu, où tu cries, où tu supplies Dieu. C'est l'endroit où tu pleures. Eh oui. C'est l'endroit aussi du combat, dans le sens d'obtenir, de réclamer à Dieu ses promesses pour l'obtenir. La chambre haute, c'est un lieu de résurrection pour les morts. Plus qu'un lieu, c'est une démarche personnelle avec Dieu. Mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez en ce soir, vous voulez connaître Jésus-Christ, entrez dans la chambre haute. Dans cet espace où vous parlerez de choses intimes à Dieu. La chambre haute est un lieu incontournable dans notre relation avec Dieu. Ta chambre haute peut être un endroit où tu as décidé, mais... À passer un moment seul avec Dieu. La chambre haute de Nathanaël, c'était sous le figuier. La chambre haute de Moïse, c'était dans le sanctuaire, appelée aussi la tente de la rencontre. Donc il nous faut avoir cette rencontre avec Dieu. La chambre haute de Jésus-Christ, c'était sur la montagne. Le texte nous dit il se retirait à l'écart, sur la montagne. Il nous faut avoir cette relation avec Dieu, cet espace de communion intime. La chambre haute est un lieu incontournable de ta relation avec Dieu. Et si ton couple est en déconfiture, entre dans la chambre haute. Si tes enfants te causent du souci, entre dans la chambre haute. Les portes du travail sont fermées devant toi, entre dans la chambre haute. Tes collègues ou tes voisins lancent des flèches, c'est-à-dire toutes sortes de sortilèges et de maléfices, entre dans la chambre haute. Ton médecin a découvert une boule. ...logé dans une partie de ton corps... ...entre dans la chambre haute. Dieu t'a béni. Gloire à Dieu. La bénédiction de l'éternel repose sur toi. Entre dans la chambre haute. Ainsi, frères et sœurs... ...la chambre haute... ...je le redis... ...c'est un lieu incontournable... ...de notre relation avec Dieu. C'est le lieu de la résurrection pour les morts... pour nous qui sommes morts... je sais que... en considérant la chambre haute... certains pensent à acte 2... où les disciples se sont réunis... en se demandant pardon... les uns envers les autres... un pardon mutuel et sincère... mais avant de régler la situation avec les autres... il nous faut notre régler notre situation avec Dieu... et Pierre... Pierre l'apôtre Pierre... qui était un homme... zélé pour, pour Dieu... Quand euh, Jésus-Christ lui a dit, tu as un problème, mais ne t'en fais pas, j'ai prié pour toi, afin que, ta faille ne, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras revenu, dans le terme de converti, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc il a eu ce face-à-face -face avec Jésus-Christ. Et nous aussi, dans la chambre haute, il nous faut avoir ce face-à-face. -face. Sinon, comment? Pourrais-je demander pardon à une soeur, à un frère, si dans ma relation avec Dieu, je ne suis pas au clair? La chambre haute, lieu de résurrection pour les morts. Il nous faut passer, frères et sœurs, par la chambre haute. Il nous faut passer par cette chambre haute. Le Seigneur a beaucoup de bénédictions pour nous. Des bénédictions en grand nombre. Si nous passons par la chambre haute, quelque chose va se passer. Si nous passons par la chambre haute, quelque chose va se passer obligatoirement. Je vous invite à considérer avec moi ce qui se passe quand on, en, quand on entre dans la chambre haute. Verset 41. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Voilà ce qui se passe quand on entre dans la chambre haute. De mort que nous sommes, on ressort vivant, et c'est ce que Dieu veut faire pour son Église. C'est ce que Dieu veut faire pour moi. C'est ce que Dieu veut faire pour vous. Dieu, Jésus-Christ veut présenter à Dieu une Église morte, mais qui est rendue vivante. Quand tu es dans la chambre haute, tu vas peut-être sortir, rentrer avec le cœur gros mais tu ressortiras avec une bénédiction. Tu ressortiras vivant au nom de Jésus-Christ. Avez-vous remarqué qui est-ce qui fait lever Tabitha Qui est-ce qui lui donne la main C'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, un disciple qui oscillait entre la foi et l'incrédulité. Mais Pierre, avant la résurrection de Jésus-Christ, n'est pas le même Pierre d'après, après la résurrection de Jésus-Christ. Pierre, avant la résurrection de Jésus-Christ, aurait dit, il serait arrivé, on l'aurait introduit dans la chambre, il aurait vu t'habiter à il se serait dit, mais les frères, mais la soeur ne respire plus. Est-ce que vous avez appelé les pompiers Est-ce que vous avez appelé le Samu Est-ce que, euh, 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 Est que vous avez pris la constante Est-ce que vous avez pris l'attention, la température Est-ce que vous avez appelé l'infirmière Toutes ces choses méritent d'être faites. Mais là, le serviteur de Dieu, Pierre, il prie. Il aurait pu se lancer dans beaucoup de considérations. Mais qu'est-ce qu'il fait il prie. Il entre. Prier, c'est entrer dans un monde où tout est possible. Et l'impossible est devenu possible parce qu'il a prié. Pierre ne s'est pas dit, je vais ressusciter la sœur Tabitha. Non. Il a tout simplement prié. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui prient. Et si on prie, on entre dans la chambre haute, on sera rendu vivant comme Tabitha. Pierre a prié et le miracle a eu lieu. Frères et sœurs, quand il y a résurrection dans la Bible, j'entends beaucoup d'interprétations qui disent que le miracle de la résurrection, même, euh, il y a encore de, 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 des miracles de résurrection. Quand quelqu'un, euh, euh, un pécheur abjecte euh, est sorti des ténèbres, pour parvenir à l'admirable lumière de Dieu, accepter Christ, c'est le meilleur miracle de la résurrection. C'est vrai, puisqu'il y a des, 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 des passages qui confirment cela. Euh, par la parabole du Fils prodigue. Mais, frères et sœurs, nous sommes trop pressés d'interpréter la chose ainsi. Comme si, si quelqu'un meurt devant nous, on ne pourrait pas prier tout simplement et que le, milieu, le miracle ait lieu. Donc, dire tout de suite que oui, euh, le meilleur miracle de la résurrection, c'est quand des gens euh, qui sont dans le péché arrivent à Dieu, j'ai l'impression qu'en disant cela, vite fait, on se dédouane. C'est rapide de dire cela, mais c'est amoindrir la puissance de l'évangile. Et c'est là où Dieu nous attend. Pierre a eu une connexion avec Dieu. Une connexion à haut débit qui lui a permis de prier. Non, 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 non. La connexion à haut débit n'a pas permis que le miracle ait lieu. La connexion à haut débit, c'est dans la prière. Il avait cette relation avec Dieu. Et je suppose... Que dans la prière, il a demandé à Dieu ce miracle et le miracle a eu lieu. Il y a des situations difficiles que nous devons faire face, mais le miracle aura lieu que dans la prière. Nous faisons appel à des aides, les docteurs, les médecins, les infirmières mais frères et sœurs, tout de suite, qu'il se passe un problème dans l'église, c'est prière. Prière et prière. C'est la chose la plus simple que nous pouvons faire, mais aussi la plus puissante. Donc, dans l'église, quand il y a quelqu'un qui a un problème, une maladie, un état, il faut que nous prions simplement. On fait ce que Jésus-Christ a toujours fait on prie. Je remercie le Seigneur parce que Tabitha n'est pas restée allongée, couchée, elle est rendue vivante. C'est ce que Dieu veut faire pour son Église. Frères et sœurs, Tabitha, nous avons vu que dans la parole, Tabitha est appelée Dorcas. Mais Dorcas ou Tabita, cela veut dire gazelle. Je doute fort qu'on lui ait donné le nom de gazelle pour le fun. La gazelle a trois caractéristiques. La gazelle, première caractéristique, elle a une très bonne vue. La gazelle est rapide à la course. La gazelle est toujours en alerte. Vous demanderez aux couturières, elles vous diront que pour confectionner des vêtements, il faut avoir une bonne vue. Tabitha avait cette bonne vue, puisqu'il a dit qu'elle confectionnait des vêtements et elle faisait des tuniques. Elle avait cette bonne vue pour confectionner des vêtements, mais elle avait aussi cette bonne vue pour voir ceux qui étaient malades. L'Église a besoin de cette bonne vue pour voir ceux qui sont en difficulté. Deuxième caractéristique, elle est rapide à la course, la gazelle. Effectivement, Tabitha, elle était rapide, c'est-à-dire zélée pour les bonnes œuvres. Elle donnait beaucoup de bonnes œuvres, elle était remplie de bonnes œuvres, elle donnait beaucoup d'aumônes. L'Église a besoin d'être rapide à la course, dans le sens d'être zélée. Et nous chantons le chant au 342. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir, je veux te suivre, mon guide, toujours t'obéir. Prends, oh Jésus, prends. Donc, l'Église doit être rapide à la course dans le sens d'être zélé, zélé pour les bonnes œuvres. Nous chantons le chant, mais frère et soeur, il faut être conséquent avec ce que nous chantons. Troisième caractéristique, Tabitha, elle était toujours en alerte. Et dans l'expression adventiste, on dit que c'était une mère en Israël. Toujours en alerte, donc elle se réveillait, j'imagine, j'imagine qu'elle se réveillait la nuit en passant du temps en prière avec son, son Seigneur Jésus. Et Jésus-Christ nous exhorte aussi, nous l'Église, il nous dit veillez et priez en tout temps, en tout temps. Frères et sœurs, Tabitha nous enseigne que nous devons, nous devons avoir une bonne vue, nous devons être zélés pour les bonnes œuvres, et en, en fin, et au final, veillez et priez en tout temps. Ce message de Tabitha est pour l'Église, vous et moi. Que le Seigneur nous permette de comprendre sa parole et d'en retirer la substance qu'il faut. Ce n'est pas de venir et de dire oui, Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, on le sait. Mais c'est dans la pratique. Dieu nous attend dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de prière dieu veut que de notre situation de mort nous puissions être relevés à la gloire de jésus-christ et présenter, nous présenter vivants pour lui il désire donc le seigneur veut une église vivante une église qui n pas qui n'abandonne pas son premier amour une église qui se fortifie les uns les autres. Une église dans les derniers temps qui soit puissante dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Amen. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu nous montres, Seigneur, que tu n'abandonnes pas ton Église. Seigneur, Jésus-Christ est mort et est ressuscité. Tabitha est morte, elle est ressuscitée. L'Église de Dieu est morte, mais va ressusciter dans le nom de Jésus par la prière, par les bonnes œuvres nous serons rendus vivants. Éternel, que ton Saint-Esprit nous remplisse, Père éternel. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour rendre les autres aussi vivants. Mais Éternel, tu vois qu'il y a des choses qui nous empêchent d'être vivants. Et nous te demandons, Seigneur, en ce soir, de nous remplir de ton Saint-Esprit. Et que, Seigneur, si le péché se couche à notre porte, donne-nous de dominer sur lui. Par la puissance du Saint-Esprit. Éternel, notre Dieu, tu voudrais une Église qui n'abandonne pas son premier amour. Donne-nous, Seigneur, de passer du temps avec toi, de chérir notre relation avec toi, Père éternel. Mais présente ces bonnes œuvres au devant, afin, Père éternel, que nous soyons un peuple fort et que ceux qui connaissent les Adventistes du septième jour puissent dire Voilà le peuple de Dieu. Éternel, notre Dieu, Seigneur, il y a des personnes qui souffrent. Il y en a qui sont en proie à toutes sortes d'attaques de l'ennemi, Père éternel. Mais au nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur, de briser toutes ces barrières, Père éternel, afin que le peuple, Seigneur, ne soit pas un peuple qui a peur, un peuple dans la timidité, mais un peuple rempli de la puissance de ton Saint-Esprit. Afin qu'au nom de Jésus, on puisse voir une Église glorieuse. Éternel, fais ton œuvre en nous. Éternel, viens. Nous avons besoin de toi. Notre Dieu, vivis-nous, vivifie-nous par ton Esprit Saint. Et de cette piètre relation que nous avons avec toi. Fais-nous croître. Et permets que nous puissions nous réveiller dans les mots. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, amis de la vérité, que le Seigneur nous bénisse. Nous serons rendus vivants par la puissance du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse.